Nous sommes des spécialistes du métier de l'eau. Le groupe que vous voyez, beaucoup parmi eux, sont des vrais plombiers, des plombiers qualifiés. Certains sont sortis des CFP, des écoles de formation professionnelle, ENAM. D'autres ont appris quand même à la routine, mais ils sont très bien dans l'application de leur métier. À la SEG, notre traitement était à 440 000. Nous étions appelés MOJ, main d'œuvre journalière. À la fin de chaque mois, on vous donne 440 000. Les démarches que nous sommes en train de mener, ça a commencé il y a 5 mois de cela. Dès que le CNRD a pris le pouvoir, nos amis de Conakry nous ont appelés. Nous sommes de l'intérieur. Ils nous ont fait appel. À l'intérieur, on s'est rencontrés. Moi, je suis venu pour représenter les amis de l'intérieur. Okay. La première fois que je suis venu à Conakry pour ce problème, je suis venu voir mes amis à la présidence. C'est au bureau du secrétaire général à la présidence de la République, le colonel Amara Camara. Nous avons déposé nos demandes, mais depuis lors que nous avons déposé jusqu'ici, le colonel Amara n'a jamais eu le temps de nous appeler. Quand on partait pour déposer le dossier, le colonel Amara, à sa sortie, je lui ai dit que monsieur le ministre secrétaire général à la présidence, nous sommes venus pour vous voir à cause de notre problème. Il m'a dit Mémé Ngadégué. Depuis qu'il m'a dit Mémé Ngadégué, c'est un chouchou. Moi, je ne comprends pas chouchou, mais ce qu'il m'a dit, c'est ce que j'ai dit. Mémé Ngadégué, depuis qu'il est parti Dégué, il n'est jamais revenu. Bon, nos manifestations, le plus souvent, nous avons des gens qui nous conseillent. Auprès d'eux, par exemple, à la police de Kaloum, le commissaire de police qui est là-bas, le colonel Gassim Souma, même à la gendarmerie de Kaloum, la première fois que nous avons grévé pour aller à la direction générale, la direction générale et ses clans ont fomenté un autre groupe devant nous comme contre-manifestants. C'est ce jour-là que la gendarmerie et la police avaient compris qu'il y a quelque chose qui se passe à la SEG. Donc ils nous ont pris. Quand ils nous ont pris, nous sommes partis à la police. Nous avons discuté. Après les discussions, ils ont mis la direction. La direction était représentée par le directeur de la communication. La gendarmerie comme la police y avait mis à demeure de nous rencontrer à la direction générale. Depuis que nous sommes quittés, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais eu le temps de nous appeler à la direction générale.